Bonsoir et bienvenue, voici qui... Avec... Très bien, alors ce sera vous, moi et l'ordinateur. Comment vous appelez-vous? Merci. Je vous propose tout de suite de découvrir la première question pour 200 euros. On peut chasser quelqu'un de chez soi en lui disant familièrement du balai, du marteau, du chiffon, du plumeau. Bravo, 200 euros. Question. Selon la croyance populaire, laquelle de ces propositions est un porte-bonheur? Le fer à cheval? La tête de veau? Le pied de cochon? La queue de pie? Bravo! Vous remportez 300 euros. Question suivante, 500 euros. Autrefois, l'avion était appelé aérodrome, aérotrain, aéronaute, aéroplane. Absolument, 500 euros. Yeah. 800 euros, question. Quel mot désigne à la fois un sorcier africain et un grand oiseau? Mage, devin, marabout, envoûteur. Bien joué, 800 euros pour vous. Je vous rappelle qu'il vous reste toujours vos trois jokers, le 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Premier palier, 1500 euros avec cette question. La colonne vertébrale est également appelée saillie dorsale, pic dorsal, épine dorsale, ronce dorsale. Vous sembliez assez sûr de vous et vous aviez raison, vous venez de gagner 1500 euros. Vous voici maintenant à la tête de 1500 euros qui sont à vous quoi qu'il arrive et vous pouvez tenter de doubler vos gains en répondant à cette question pour 3000 euros. Le septième art est... Vous pensez qu'il s'agit de la réponse A. C'était une question à 3000 euros que vous empochez. Vous vous débrouillez à merveille puisque vous avez déjà gagné 3000 euros. Découvrons à présent la question à 6000 euros. Un mélange bariolé est un mélange de plusieurs parfums, couleurs, saveurs, sonorités. Très bien, vous avez décidé d'utiliser le 50-50. Ordinateur, veuillez retirer deux mauvaises réponses. Merci.
Les réponses A et... Vous pensez qu'il ne s'agit pas de la réponse C? Vos gains s'élevaient à 3000 euros et vous venez à l'instant de doubler cette somme. Vous remportez 6000 euros. N'oubliez pas les deux jokers qu'il vous reste, le coup de fil à un ami et le vote du public. Maintenant, attention, la prochaine question vaut 12 000 euros. En France, la DST désigne la direction de la surveillance du territoire, terrain, terroir, terrorisme. Vous pensez qu'il s'agit de la réponse A. Vous paraissez très sûr de votre réponse. Toutes mes félicitations, vous venez de remporter 12 000 euros. Restez bien concentré car la prochaine question peut vous rapporter 24 000 euros. Découvrons-la ensemble. En téléphonie mobile, les zones pourvues d'un relais sont appelées secteur, cellule, hexagone, alvéole. Ok, vous avez donc décidé de faire appel au public. Public, télécommande s'il vous plaît, pour répondre à la question. Il penche plutôt pour la... C'est à vous de décider maintenant, qu'en pensez-vous? Vous pouvez choisir de partir sans répondre, avec... Êtes-vous sûr de vouloir répondre à cette question? Vous avez pris le risque de répondre et vous avez eu bien raison puisque vous gagnez 24 000 euros. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours utiliser le coup de fil à un ami. Vous venez de remporter 24 000 euros, plus qu'une question avant le second palier. En 1982, Claude Chabrol nous fait frissonner avec les fantômes du costumier, barbier. Selon vous, la bonne réponse est D. Eh bien, vos gains s'élèvent à présent à 48 000 euros. Vous êtes d'ores et déjà à la tête de 48 000 euros. Vous jouez maintenant pour 72 000 euros. C'est une sacrée somme. Voici la question. Lequel de ces mots a pour origine le nom d'un architecte du XVIIe siècle? Soupente, pigeonnier, mansarde, alcôve. Vous pensez que la bonne réponse est C. Vous aviez déjà 48 000 euros et c'est la bonne réponse, 72 000 euros pour vous.
Vous venez de gagner 72 000 euros. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Prenons tout de suite connaissance de la question suivante. La question à 100 000 euros. Dans les années 60, Gilbert Bécaud chante « La solitude, ça me fait mal, brûle le cœur, n'existe pas, ne finit jamais. » Vous pensez que la bonne réponse est C. Vous avez très bien joué jusqu'à présent, et vous venez de faire encore mieux, puisque vous remportez 100 000 euros. Vous venez de gagner 100 000 euros et le droit de jouer pour 150 000 euros. Restez bien concentré. 150 000 euros. Question. On explique les tremblements de terre par la théorie de la tectonique des fissures, des grottes, des plaques, des crevasses. Vous auriez pu partir avec 100 000 euros. Vous pouvez vous féliciter de ne pas l'avoir fait, puisque vous venez de remporter 150 000 euros. Vous avez donc déjà 150 000 euros, mais vous pouvez encore doubler cette somme, voire même atteindre le million. Mais attention, si vous répondez à la prochaine question et ne me donnez pas la bonne réponse, vous retomberez à 48 000 euros. Voici la question. Césaria Évora est une chanteuse du Cap-Vert, du Brésil, du Portugal, de Cuba. Vous pensez qu'il s'agit de la réponse A. Si vous m'avez donné la bonne réponse, vous ne serez plus qu'à une seule question du million d'euros. Et en effet, votre réponse est la bonne. Vous allez donc pouvoir tenter de répondre à la 15e et dernière question. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours utilisez le coup de fil à un ami. 300 000 euros. Ils sont à vous, vous venez de les gagner. Mais vous avez maintenant la possibilité de transformer vos gains en 1 million d'euros. Je vous rappelle que vous êtes toujours libre de partir sans répondre avec vos 300 000 euros. Vous avez répondu correctement aux 14 questions précédentes. Voici donc la 15e et dernière question. Le pâtisson est un légume, également appelé artichaut de Rome, Jérusalem, Naples, Constantinople. Vous avez choisi de passer un coup de fil à un ami, mais souvenez-vous que vous n'êtes pas obligé de suivre son avis. Alors je vous propose maintenant de l'appeler sans plus attendre. Allô, oui, j'écoute. Bonsoir Cécile, ici Jean-Pierre Foucault de Qui veut gagner des millions. Bonsoir Jean-Pierre. Votre ami a besoin de votre aide, 1 million d'euros sont en jeu. Ben, j'espère que je pourrai vous aider. J'espère que vous êtes prête Cécile, voici la question, nous comptons sur vous pour nous donner la bonne réponse. Comme je suis, je dois savoir.
Selon moi, la réponse est Jérusalem. Merci pour votre aide, Cécile. C'est à vous maintenant. En êtes-vous sûr à 100%? Vous avez fait preuve de beaucoup d'audace en répondant à ces 15 questions. Mais souvenez-vous qu'ici, seules les bonnes réponses nous intéressent. Et ça tombe bien pour vous. Vous venez de remporter 1 million d'euros. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup.